Éminence, monsieur le cardinal, j'aurais voulu prendre le micro au nom de tous ceux qui sont ici, monsieur le maire et son épouse, notre curé et vicaire général Gérard Faure et notre doyen, mère Marie-Christine du Rivet et le frère Claude du Brousset, la communauté marianiste, tous les amis et fidèles du sanctuaire Notre-Dame de Verdelais qui ont pu se libérer au milieu de cette grande journée pour vous dire notre joie et notre gratitude de pouvoir vous entourer ici aujourd'hui, en cette heure que vous avez choisie pour ouvrir l'année du 9e centenaire de ce sanctuaire. Nous sommes sur le parvis, sur cet espace ouvert à tous, non seulement parce que cet événement concerne tout Verdelais, mais aussi parce qu'une nouvelle bannière offerte à Notre-Dame doit nous conduire jusqu'à l'autel du Seigneur après avoir reçu votre bénédiction. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour vous, mon Seigneur, et pour nous tous, jour de fête et de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers pères, chers frères et sœurs, je vous remercie de votre accueil et vous, Père, des mots de bienvenue que vous venez de nous adresser. Chers amis, je suis très heureux d'être avec vous ce matin et de présider cette célébration, car nous fêtons trois choses aujourd'hui. Tout d'abord, vous le savez, la présentation du Seigneur au Temple. Aujourd'hui, nous sommes invités à accueillir le Christ, lumière du monde, comme le désigne le vieillard Siméon. Oui, que sa lumière nous éclaire et réchauffe notre vie. Le 2 février est également le jour où nous fêtons dans l'Église la vie consacrée. Je vous invite à prier ce matin dans cette Eucharistie pour tous les religieux et religieuses que vous connaissez et tout particulièrement pour cette communauté marianiste qui a la charge pastorale de notre sanctuaire. Enfin, nous célébrons aujourd'hui l'ouverture du 9e centenaire de la naissance de ce sanctuaire de Notre-Dame de Verdelais, voulu par Géraud de Grave. Je souhaite que cette année jubilaire soit une année riche de grâce pour notre diocèse, pour tous ceux et celles qui viendront prier Notre-Dame, consolatrice des affligés, et pour chacun d'entre eux. Nous allons maintenant bénir cette belle bannière festive qui vient d'être confectionné avec beaucoup de cœur. Sois-tu, Seigneur, en Oui, nous voici auprès de cette bannière festive, témoignage d'amour et de gratitude envers Marie, qui se révèle à Verdelais pour beaucoup de ses enfants comme consolatrice des affligés. Cette bannière rappellera à ceux qui marcheront derrière elle le lien étroit entre la Vierge Marie, le Christ et son Église. Mère du Christ, Marie est l'image et le modèle de l'Église. En Marie, nous tous qui sommes l'Église, nous contemplons la réalisation de ce qu'elle désire être, l'Église tout entière à l'image de Marie. Marie est pour nous le chemin à suivre pour arriver à l'union parfaite avec le Christ, notre lumière et notre vie. En Marie se rendant dans hâte vers la maison d'Élisabeth et de Zacharie, en Marie montant au temple pour les grands pèlerinages de son peuple, en Marie priant avec les apôtres au Cénacle, nous trouvons le modèle de la mission de l'Église tout entière, mission d'adoration de Dieu et de charité active à l'égard des hommes. Sois-tu, Seigneur, en l'honneur.
Dieu notre Père, dans la Vierge Marie, tu as donné à ton Église en marche sur la terre l'image de sa gloire à venir. Accorde à tes fidèles rassemblés auprès de cette bannière de lever les yeux vers elle avec confiance, puisqu'elle est un modèle éclatant de sainteté pour tout le peuple des rachetés, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, en ce jour où nous commémorons la présentation de Jésus au Temple par Marie et Joseph, allons maintenant à la rencontre du Christ, lumière des hommes. À la suite de Siméon et Anne, chantons-le avec toute l'Église. Gloire à toi, Jésus. Thank you.
puisque ton Fils unique, ayant revêtu notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple, fais que nous puissions aussi, avec une âme purifiée, nous présenter devant toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.